On n'a plus rien, c'est le vide absolu. C'est le vide absolu. Je sais pas ce que je vais faire de ma thune, mais c'est là-dessus qu'il faut que je clique. C'est quoi le RPG solo sur lequel t'as passé le plus de temps? Je sais pas. Final Fantasy VII, non? C'est rien. Non, j'en ai aucune idée. Il y a des jeux que j'ai énormément campé, mais j'ai pas mis un timer dessus, quoi. À une époque où on n'avait pas Steam encore qui nous disait combien de temps on passait sur les jeux. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne là, non, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça que je vais faire. Choses ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un astéroïde métallique, on va analyser. C'est tout? C'est tout. Et est-ce que là, pareil, on peut en avoir aussi? Oula, oula, tu te calmes, tu te calmes. Y a rien? Ah si, y a un truc. Médaillon récupéré. Les scans d'un champ d'astéroïdes situé dans le système Gnosos ont révélé la présence d'étranges signaux. Après examen, le navigateur Presley a pu localiser les restes d'un chasseur galarien abandonné. Seul objet digne d'intérêt, un médaillon de la Ligue Unique. Salut Mimika, je ne sais absolument pas ce que c'est. Tu préfères Ashley ou Kaidan? Ashley, elle est un peu raciste quand même, ça m'embête. Hein. Donc voilà, est-ce que là, on a fini tout cet endroit? Normalement, oui. Normalement, oui. À moins que vous me dites... Ah, faut absolument que tu regardes ça aussi. Je pense qu'on a terminé. Kren, je te conseille Féroce puis Noveria pour débloquer un maximum de missions annexes avant de commencer l'exploration. D'accord, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est le conseil de Chat des Enfers. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon conseil? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon conseil de Chat des Enfers? C'est vrai que j'aurais bien terminé ce système quand même. Hein. Je veux pas qu'on finisse cet endroit avant de partir, comme ça on n'a plus besoin de revenir sur Artemisto. Mais après si... Donc je fais pas Sparte, Macédoine et Athènes, et je fais d'abord... Va voir mon lien s'il te plaît, mais c'est quoi ton lien? Regarde ça, c'est sur Garus, et très drôle. Non mais... Je croyais que t'allais me mettre un lien sur un truc utile du jeu quoi. Le problème du truc de Chat des Enfers, c'est que tu vas du coup. Après, tu vas faire que du Mako pendant 30 heures. Ça évite les allers-retours aussi, ce que dit Chat des Enfers. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. Mais j'avoue, faire que du Mako. Tu connais bien Mathieu Sommet? Je ne le connais pas du tout. Genre, pas du tout. Jamais. Bah, ça dépend. Est-ce que si je fais de l'explo ici, Sparte, Macédoine et Athènes, déjà au moins si je fais cet endroit-là, est-ce qu'il y a des endroits où je serai obligé de revenir parce qu'il va y avoir des quêtes secondaires dans ces endroits-là ou pas du tout? Est-ce que moi je peux faire ces trois endroits-là? Tu as aussi deux ou trois quêtes secondaires disponibles à la citadelle. Mais il faut que j'y retourne à la citadelle? Parce que j'en ai déjà des quêtes. Ah bah d'accord. Level up. Level up! Journal, codex, plein de choses. Alors, là, il n'y a rien de nouveau. Là, il n'y a rien de nouveau. Donc, on débloque. Alors, délai d'utilisation 120 secondes, 150 secondes, coût de précision 30%. Ils reviennent avec 30%, c'est plutôt cool. Bon, on va continuer de monter ça pour le moment.
peux arriver sur une planète sans avoir la quête, aller la rendre quand même, donc Explo avant Noveria et Féroce. Après chaque mission principale, de nouvelles quêtes se débloquent à la citadelle. Oh. Enfin bon. Journal. Alors qu'est-ce qu'on a changé? Découvert d'un acte fact. Galérien médaillon. Ligue. Ok. Codex. Il n'y a rien. Race concilienne. Galérien, ligue unique. Avant de rejoindre le conseil, le plus efficace des détachements militaires galériens était une petite équipe de reconnaissance appelée Ligue Unique. Principalement formée aux techniques d'espionnage et d'assassinat, ces agents, dont le nombre ne dépassait jamais la douzaine, étaient capables d'infiltrer les organisations les plus hermétiques en éliminant n'importe quel obstacle. Seuls quelques membres du gouvernement et de l'armée connaissaient l'identité de ces agents, qui n'arboraient aucun signe distinctif et n'avaient aucun grade particulier. La seule preuve de leur appartenance à l'organisation était un petit médaillon remis à chaque membre lors de sa nomination. Le secret fut maintenu jusqu'à la formation du Conseil. C'est alors qu'en geste d'apaisement et de bonne volonté, l'Union Galarienne communiqua à ses partenaires Azari tous les documents confidentiels en rapport avec la Ligue Unique. Du jour au lendemain, l'équipe disparut mystérieusement, avant que les ennemis des Galariens aient eu le temps de réagir. Beaucoup pensèrent qu'il s'agissait d'un subterfuge pour continuer à dissimuler l'identité de la Ligue, mais quelques mois plus tard, les principaux dignitaires galariens furent assassinés. Malgré l'absence de preuves, l'implication de la Ligue ne faisait aucun doute. Face à la menace que représentait cette faction rebelle, le groupement spécial d'intervention déploya une unité spéciale pour l'éliminer. Quand il fut évident qu'aucun des agents ne reviendrait, le GSI envoya 10 de ses meilleurs membres, dotés de pouvoirs discrétionnaires étendus. Et nous avons un parfait qui serait abonné pour la première fois. Un grand merci à toi, un parfait, 2 mois d'abonnement, merci beaucoup. Et donc un membre confirmé de la Glou Family. Merci à toi. Et bonsoir, un parfait. Ça va très bien, je te remercie. J'en suis où ? Seuls 2 d'entre eux revinrent sans jamais trouver la moindre trace de la Ligue. Donc, c'était les 10 meilleurs membres du GSI. Groupement spécial d'intervention. Aucun autre incident n'eut lieu par la suite, aussi pensa-t-on que les rebelles avaient été éliminés. Cependant, certains documents récemment déclassifiés font état d'un 13e membre potentiel qui aurait échappé à l'armée galarienne. Bon, ce qu'on va faire, on va finir ce système-là. Voilà. On va finir ce système, là, tôt machin chose. Une fois qu'on l'aura terminé, donc on va faire juste un petit peu d'exploration pour les 3 zones qui sont autour. Une fois qu'on l'aura terminé, on retournera à la citadelle. Et Réception d'un message, je transfère. Ah, il se passe un truc. Commandant Shepard, mon nom est Nassana Dantius. J'ai un travail à vous confier, mais je ne rentrerai pas dans les détails sur une ligne non sécurisée. Si vous voulez en savoir plus, venez me retrouver à la citadelle. Je vous attendrai dans le salon des diplomates au Présidium. Très bien. Très très bien. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Ensuite, nous avons une ceinture d'astéroïdes. Ah, une ceinture d'astéroïdes qui a légèrement bugué. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah. Il y a un truc inconnu. Ah, vas-y, c'est pour ce secteur. Allez, relou. Tu peux finir l'objectif des quêtes avant de les prendre, donc comme tu veux. Donc je pourrais prendre la quête et la valider instantanément. Commandant, je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse. Bah allons-y. Allons-y. Ah, j'ai pas lu à chaque fois sur les planètes. Alors, je te conseille de faire Exploration Noveria. X-52 DLC, Citadelle Féroce, Station Zénith DLC, Explo Citadelle, suite de l'histoire. Ok. Bon, on va atterrir, on verra bien. Ah, Tali, Eliara, Girl Power, voilà.
On va donc avoir un soldat, une biotique, je sais plus comment ça s'appelle, et une technologique. Ce sera parfait. Ce sera parfait. Et donc, il va falloir faire le level up de Liara. Oh, du Mako. Du Mako. Je suis tellement heureux. Tellement heureux. Ah, puis il n'y a plus de map. Oh, bah oui. Oh, bah oui. Commando. Donc, Tali, on continue le. Alors, 4 maps. Okay, les trucs en piratage. Magnifique. Magnifique. Ok. Moi, c'est bon, c'est fait. Liara. Alors, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qui est important de monter? Scientifique Azari, ça fait quoi? Réduit le délai d'utilisation de tous les talents biotiques de 4%. Les premiers secours rendent 20 points de santé supplémentaires. Réduit le délai d'utilisation de premiers secours. Ça a l'air bien, ça. Ça a l'air très bien. Donc après, électronique, je pense qu'on s'en fout un peu. Stase. C'est bien stase, je crois. Singularité. Lévitation. Les pouvoirs biotiques, c'est bien. Alors, quelqu'un me conseille, Rexelsior me conseille déchirure. Déchirure est très puissant. Ok. On va le maxer. Je max déchirure. Ok, on a maxé déchirure. Singularité aussi. Singularité. Un vortex au point d'impact capable d'aspirer les objets à proximité. Déchirure singularité. Deux personnes ont dit ça. Ah, crâne du sud qui me dit maxé. Scientifique Asari. On va faire un truc comme ça. Il me resterait 2 points. Je peux mettre barrière à 1. Ah bien, ça permet de débloquer. Qu'est-ce qu'on fait de nos deux derniers points? Je pourrais prendre barrière à 1. Projection au premier secours. Ça vaut pas le coup de mettre barrière à 1? On va mettre barrière à 1, ça me paraît bien. Voilà, on a débloqué le skill barrière, c'est plutôt pas mal. Et il nous reste un point. Il nous reste un point. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Yop, Julien. Salut, Dark Burton. Après... Bon, l'assise est incapable de toute action. Stas, ça a l'air quand même vachement bien. Hein. Stas, ça a l'air quand même mignon. Hein. Pourquoi tu veux que je débloque électronique? J'ai électronique maxé sur Tali. Pourquoi tu veux que je débloque électronique? J'aurais bien été chercher au moins le premier skill de stase. Débouche le coca, crée une live, je viens d'être pris pour un stage. GG à toi Dark Burton, tu vas pouvoir te faire exploiter, ne quasiment rien gagner. Non, j'espère que ton stage est cool. J'espère que ton stage est cool et que c'était quelque chose que tu voulais.
Ah, je suis où même pas stase. Lévitation, ça fait quoi? Soulève tout ce qui se trouve à moins de 4 mètres de la cible. Les victimes sont immobilisées et ne peuvent pas attaquer. Ah, ça a l'air bien aussi, lévitation. Ça a l'air plutôt bien, lévitation. Yop, told... C'est ça, mais en prévision, ça va être cool. Alors. Singularité avec projection derrière, c'est un combo insane. Stase est pas terrible car l'ennemi est invincible. Prends plutôt lévitation qui est insane. Bon, je vais laisser barrière à 1 et je vais mettre les points en projection à partir de maintenant, je pense. Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, singularité. Crée un vortex au point d'impact capable d'aspirer les objets à proximité et ensuite fait projection. Ok, ok. Ta future boss, donc le futur esclavagiste, t'a dit que vous allez avoir des journées de 14 heures. Ça a l'air très très bien. On va faire comme ça, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Protéins, disque de données. Malgré toutes les preuves attestant l'existence des protéins, on sait toujours peu de choses sur leur culture et leur société. De temps à autre, des sites archéologiques nous apportent de précieux éléments de réponse. Mais 50 000 ans d'érosion ont laissé peu de choses intactes. Des programmes de recherche récents se sont concentrés sur les disques de données protéins. S'ils ne sont pas protégés, ces disques fragiles sont aujourd'hui inutilisables. Cependant, il arrive parfois que l'on en retrouve un intact dans une console ou un dispositif de lecture. À ce jour, sur la quarantaine de disques retrouvés, seule une poignée était assez bien conservée pour en permettre l'analyse. La découverte d'un moyen d'extraire les données de ces disques prendra probablement du temps, mais il s'agit là de la piste la plus fiable pour en apprendre davantage sur la culture protéenne. Yop, Jama! Et donc, on a ça, découvert d'un disque de données, on s'en fout. Rencontrer NASA en personne, d'accord. Trouver l'équipe de reconnaissance. Bon, ok, on va faire une petite sauvegarde, très bien. C'est quoi le plan maintenant? On est là. Ah bah ça te dit où il y a des trucs à aller repérer. Débris. Point d'interrogation, point d'interrogation. Donc le plan, c'est quoi? C'est, il faut que j'avance... Allez, on va... Magnifique, magnifique. Exactement, Alnilarm, qui nous dit « Si l'espèce humaine disparaît, faut laisser des CD dans les lecteurs pour sauver la culture de l'humanité. » Par contre, la durée de vie des CD, c'est un peu pourri. Hein. Moi, je vous invite à regarder si vous avez acheté des jeux dans les années 90 ou autres et regardez l'état de vos CD. Vous allez prendre peur. C'est un ennemi, ça ? Où es-tu, dévoreur? Où es-tu, dévoreur? Et où? Genre! Ah, je peux pas bouger quand je suis en réparation! Ah, je peux pas bouger! Au secours! Au secours! Au secours!
Heureusement que j'ai sauvegardé juste avant. Voilà, ça calme, ça calme. C'est la mort qui t'a assassiné, Mako. C'est la mort qui t'a assassiné, Mako. Mais c'est le jeu, il me met un message, appuie sur F, faut que tu répares tout ça. C'est un peu... Est-ce qu'il faut que je descende du véhicule pour le finir, pour faire plus d'XP? On va dire qu'on s'en fout. Mais non, t'es mort, j'ai eu XP. Tu es mort déjà. Vous étiez deux les petits canaillous, tu as régène ou t'as du sang Krogan ou je sais pas. C'est tout, hein, ça suffit. Hein. D'accord. Des soldats de l'Alliance. On dirait qu'ils ont été attirés ici par la balise de détresse. La map t'affiche pas tout. Apparemment sous les ordres de l'amiral Kaoku. Il faudra aller l'avertir. Râle pas, t'as eu deux fois l'XP. Exactement. Exactement. Il faut que je la détruise, la balise, ou pas? C'est une fausse balise, faut que je la détruise? Non, pas vraiment, non. Yop, Oxermus. Les dévoreurs viennent de la même planète que les Krogan, d'accord. Tu viens de finir une quête qui se trouve à la tour du conseil, d'accord, très bien. Ensuite, on est où? On est là. Du coup... Alors, si des gens veulent tricher... Et me dire, va bien à tel endroit, sur en haut à droite ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des trucs à récupérer qui sont pas sur la carte. Je suis tout à fait ouvert à ce genre de choses. Complètement. Parce que sinon on va être obligé de faire l'exploration à fond. Pour de vrai. Pour ce que je suis en train de faire. Crane Dune te salue. Ça se voit face. Ah, ah là, il y a un bord rouge. Quand il y a un bord rouge, ça veut dire faut pas y aller, c'est ça? Je me fais déboîter si j'y vais. Qu'est-ce qui se passe si j'y vais? Commandant, faites demi-tour. Vous allez sortir du champ d'action. D'accord. C'est pas le Mako qui est chiant, c'est d'explorer les planètes de fond en comble. Crane à gauche, puis au cactus à droite, jusqu'au caillou, puis tout droit et tu y es. Ouais, mais on me dit qu'il y a des zones secrètes. On est sur Edolus. On est sur Edolus. Donc je vous invite à aller regarder la map d'Edolus et vous serez mes copilotes. Ah non! Ah, ça va. Si j'éteins, je reviens. Coucou Iris! On arrive au bord. Et oh, tu tombes pas. Hein.
où je vais, mais... Alors, voyons voir la map d'Edolus. Quelqu'un m'a... C'est quoi cette toute petite map? T'avais pas trouvé plus petit comme map? Merci Languedoc. Alors, donc, il n'y a absolument rien. Mais il y a des trucs en bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est quoi le 4? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est le 4 rouge que tu m'as mis à un endroit. C'est peut-être le start. 3 minéraux. En bas à gauche, en bas au milieu et en bas à droite. Merci bien. Merci bien. Il y a un codex. Il y a un truc du codex. Les dévoreurs sont carnivores qui passent le plus clair de leur existence à manger ou à rechercher leur nourriture. Ils se reproduisent à l'aide de spores qui peuvent rester en sommeil pendant des millénaires et supporter le stress d'un voyage interstellaire. Transportées à l'insu de leurs hôtes, elles ont permis aux dévoreurs d'infester de nombreuses planètes. Le corps d'un dévoreur ne quitte jamais totalement le sol. Seule la tête et les tentacules jaillissent de terre pour attaquer. De plus, les dévoreurs ont la capacité de projeter une substance toxique et d'émettre des infrasons pour désorienter leurs victimes. Le premier contact de l'Alliance avec les dévoreurs eut lieu sur Akouzé en 2177. Après avoir perdu tout contact avec la colonie, un corps de marine fut envoyé sur les lieux. Ils furent attaqués par des dévoreurs affamés qui anéantirent la quasi-totalité du corps expéditionnaire. Depuis, l'Alliance recommande de n'affronter ces créatures qu'à l'aide d'armes lourdes montées sur véhicules. Très bien. Tout droit. Donc on me dit le Mako peut pas se retourner. Donc on va faire comme ça. Une petite sauvegarde. Très bien. Non, en fait, le Mako, c'est pas si chiant. Hein. Ah, c'était là. Il y a rien là. Tu me mens. Tu me mens le jeu. Tu me mens. Il y a rien. Qu'est-ce que je dois voir? Ah, c'était en haut et je l'ai loupé. Non, c'est où? C'est où? C'est où? Ah si, il y a quelqu'un. Mince, j'aurais dû y aller avant, tant pis. Non, c'est bon, ça passe. Doc Tag récupéré, vous avez trouvé une plaque d'identité appartenant au capitaine Milon. Impossible de savoir comment elle a atterri ici. Ok, ensuite, on va donc aller... Et c'est tout droit, à peu près. Je ne savais pas que tu faisais des lives, Crane, nous dit Dolina, mais si, c'est même mon activité principale désormais. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais voir si j'étais bien aligné. Oui. Crane qui a le syndrome de Stockholm vis-à-vis du Mako. Ouais. Ça ne sert à rien ce que je fais, mais c'est marrant. Et encore. Ouais. Encore. Ouais. Attention. Ah non. Ah. Ouais. Un peu de sauvegarde. Là. C'est tout? C'est juste ce truc là? Y'a personne? Personne. Oula. 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 Oh, alors, mode d'armure, mode d'arme. Ou du niveau 3. Du niveau 3. C'est tout ce qu'il y a à faire là-dessus? C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, nous avons 3 minerais à trouver. Qui sont? Il y en a un par là. Est-ce que je peux mettre plusieurs? Ah,
Ah, il est où l'autre? Il est tout en bas par là. Ah non, un à la fois. À la fois. Ok. Alors, à la recherche du minerai. Encore. Ouais! Attends. Il est. C'est. Où c'est là? Où c'est là? Alors, comment qu'on fait? Il faut que je descende. Il est pas là, ouais. Comment viser le minerai? Ah non, bah encore! Arrêtez au bout d'un moment. Non, ça c'est mieux ça. Métal léger localisé, vous venez de localiser un gisement de lithium. Alors l'autre est. Attends, c'est où ça? À peu près ici. C'est quoi le 4 rouge sur ta map? C'est l'endroit du start ou. Ah non! Ah non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Ça m'a fait. J'ai eu un flashback de moi gamin en train de faire des macomoulages. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous savez même pas ce que c'est que des macomoulages. Oula. C'est en haut. Oh mon dieu, j'arrive pour le maco. Mais oui, mais c'est génial! Oui, le 4 rouge sur sa map, c'est le star. Vous allez sortir du champ d'action. Attends, je veux juste monter. Attends, fais pas. Voilà, je suis dedans. Je suis Mako. Allez, je crois en toi. C'est bien. Et il est où le minerai? Ah, c'est ça là-bas, en bas? Ça doit être ça. Non, personne pour Magomoulage, personne? Trop vieux pour vous. Très bien. Métal lourd localisé. L'XP, tout c'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, le dernier, il est. Ok. Alors attends, c'est où ça? Il est là apparemment. Attention. Là j'ai les yeux un peu plus gros que l'autre. Ah, non. Alors, on y arrive. Putain, je les place super bien les petits. Mes petits drapeaux. Alors, est-ce qu'on peut monter? On monte par le côté. Là. Je suis peut-être un petit peu optimiste. Allez. Oh, mais tu grimpes partout en fait, t'es génial. C'est ce machin là en bas? Ça a l'air d'être ça. Attends, on doit descendre. Je veux descendre! Ah, il veut pas descendre. Ah, tu veux que j'aille où? Je suis à l'arrêt là. Non, je suis pas vraiment là. Il faut que j'ai un terrain plat. C'est plat là. C'est plat. Oui, c'est plat. Élément rare localisé. Bon, on a fini. Comment je m'en vais? Je veux partir. Alors, paramètres. Comment? Re-
retourner en Normandie, c'est la touche N. Tu sais, ça existe encore les macomoulages Crane, pas besoin d'avoir 30 ans pour connaître. J'en ai offert de Astérix à un de mes collègues pour son anniversaire il y a 2 mois. Sympa ça. Tu te souviens de Mangai avec le Mako? Ça ne me dit rien, mais je vais regarder, c'est marrant. Ça ne marche pas. Je clique dessus. Ah si, ça y est. Come at me, bro. Maybe we can find a side window. Et Dami qui se réabonne 13 mois 13 mois d'affilée 13 mois Donc parmi les premiers abonnements de la chaîne, Dami. Un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ce soutien très longue durée. Très très longue durée. Ouais, ouais. Ah, le gars sur ton GIF là, il gère du Mako quand même. Hein. Il gère du Mako. Ok. Glawak, je pense que dans ce genre de situation, la technique du F6 charger ta sauvegarde est parfois meilleure. Donc là, c'est d'où on vient. Hein. On est d'accord. Ok, donc ça c'est fait. Donc la ceinture, là, inconnue. Pourtant on l'a fait ça déjà. Pourquoi tu as... Ah mais c'est juste qu'il avait disparu. D'accord, quand tu reviens sur la map. Ok, ok. Donc on en est ici maintenant. C'est à cette planète ici. Zoom arrière. Et cette planète ici. Qu'est-ce que tu me dis toi, petite planète? Je me dis analyser. Poche de gaz localisée, les scans orbitaux indiquent une forte concentration d'hydrogène. J'ai pas vu ce qui était marqué. Ok, maintenant on a ça à analyser. Hop. Y'a rien. C'est possible toute une ceinture d'astéroïdes sans rien du tout dedans? Là, ça a l'air d'être le cas pour celle-là. Ça a l'air d'être le cas pour celle-là. Je pensais qu'il y avait un truc par ceinture, mais apparemment non. Arrête de laguer le jeu. Ouais, je trouve pas très drôle ton lien en vrai. Je trouve qu'il gère du Mako, Biocube. Il gère du Mako, mais sinon c'est pas très drôle. Oui, oui quoi? C'était quoi ma question? Oui, il peut y avoir des ceintures d'astéroïdes où il n'y a rien. C'est ça que vous avez dit? Bon, apparemment, on a terminé. Prenez l'habitude, quand un streamer vous pose une question, oui ou non, de répondre, de donner avec le décalage, de dire oui et le truc en question. Yop, mi fin de vie. Salut Madrumo. Ok, donc Sparte, c'est fait. On peut aller Macédoine. Ok, nouveau système. Ah, ça m'énerve ça. Ah, atterrir. Allons-y. Non mais c'est ça ma team, j'ai dit. Ok. Me faut la map de Chargila. Me faut la map de Chargila. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Yop, c'est le cache. T'es pas en avance, mais tu te réabonnes. Donc ça, c'est cool. Et un grand merci à Silkech qui vient donc de se réabonner pour la 9e fois d'affilée. Merci à toi. Tu es donc un membre confirmé de la Glou Family. Merci beaucoup de ton soutien continu.
Et donc, hop, hop, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a... Déjà, j'arrive où, moi? On en a un juste à côté. On va aller faire ça. On va faire 6, 5, 4, 1, 2, 3. Ça m'a l'air très, très bien. Ça m'a l'air très, très bien. Donc, il serait par là. Hop.